Messieurs, justement, en parlant des fans d'Overwatch, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place cette année, comme l'année dernière, mais encore plus cette année, pour, bah, finalement, on l'a vu, hein, vous êtes en maillot, mais pour faire en sorte qu'on soit fan d'une équipe, que ce soit New York, que ce soit Gladiators, que ce soit Shanghai Dragons, que ce soit les Hunters juste derrière moi, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, Chatwon. Oui, évidemment, donc il y a forcément une grosse... partie des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. La communauté est très active, les CM s'en donnent à cœur joie pour les matchs, etc., pour hyper un peu les gens, mais les équipes mettent à disposition aussi pour les fans simplement des Discord pour chaque équipe, pour se retrouver, pour parler un petit peu de leur équipe, pour faire des pronostics, pourquoi pas, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus, pourquoi pas se retrouver et tout simplement jouer et se créer, pourquoi pas, une équipe. Et puis aussi il y a eu des bars qui sont ouverts à droite et à gauche dans différentes villes, ça c'était déjà le cas l'année dernière, on a des petits events qui s'organisent pour venir regarder les matchs de ton équipe préférée, et ce sont les Vancouver Titans qui ont fait vraiment un bar dédié à leur équipe. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un match de Vancouver, vous êtes sûr que vous retrouvez tous les fans de Overwatch là-bas. Ça, c'est assez ouf, Broken, quand même. Ah, ça, c'est lourd, on dirait du foot. Bah, c'est ça, ouais. C'est, du coup, ouais, moi, je suis carrément pour, et puis ouais, j'aimerais bien voir ça aussi dans d'autres disciplines, pourquoi pas. Ouais, c'est clair, et d'ailleurs, Adibou, autant dire que ça marche un petit peu avec les Vancouver Titans, mais je crois qu'avec Paris, on a aussi pas mal de gens qui suivent régulièrement dans la même salle et qui font ce genre de choses. Ouais, totalement, on a de la chance, bah, comme disait Broky, d'avoir un côté un peu fouteux, dans le sens où tu as le Paris Rooster Club qui regroupe justement des fans. Alors c'est un étudiant qui fait ça tout seul, il a une petite équipe quand même qui est là derrière, mais ils sont vraiment très peu nombreux, et ils ont organisé justement une watch party dans un hôtel pour le tout premier match face au London Spitfire, et apparemment c'était le feu, il y avait une super ambiance, en plus Paris a gagné à ce moment-là, donc c'était vraiment au max du max. On s'en souvient tous. Et ça s'est terminé sur d'autres envies justement du Paris Rooster Club qui était de pourquoi pas aller à Los Angeles, mais là ça implique d'autres frais, donc on n'y est pas encore, mais en tout cas là, bah, pareil sur les réseaux sociaux, comme tu le disais, Chatwon, c'est très présent, très actif. Donc pour tous les fans des Paris Eternals, c'est une bonne alternative en attendant l'année prochaine. Et puis surtout, je pense pas me tromper en disant ça, c'est que, je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous suivez un peu les différentes équipes de l'Overwatch League, mais les nouvelles licences ont amené un espèce de vent frais sur les réseaux sociaux. On voit notamment, si je dis pas de bêtises, les Sparks qui font vraiment des fanarts incroyables à chaque début de match et à chaque fin de match. Et on sent même toutes les équipes qui essaient de gratter tout simplement la hype des autres équipes. Tout le monde essaie de tirer la couverture vers soi, et ça rend un spectacle assez dingue sur les réseaux sociaux, malgré le hashtag Fiat Lux. On peut en parler peut-être, ça, du coup, le hashtag de Paris Eternals, c'est Fiat Lux. Peut-être quelque chose, Julien Josselin, quelque chose à dire là-dessus. T'as pas une vanne qui traîne dans un coin, ça? Bon, en vrai, moi, ce que je trouve juste dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens, pour en avoir parlé un petit peu à l'Arena, etc., qui pensaient que c'était un sponsor avec la marque de voiture. Normal. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, sachant qu'en plus, il y a une autre marque de voiture qui est présente en sponsor dans Overwatch League, ça a créé de confusion. On a vraiment pris le truc un peu. Non, mais c'est ça. Et vraiment, pour en avoir parlé avec les gens, ils disent, ah bah du coup, c'est quoi? Enfin, du coup, il y a un côté, si c'est pas ça, c'est quoi? Et donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais en fait, j'aime bien la signification. Je trouve ça malin d'avoir pris du latin, mais c'est vrai que du coup, bon. Bah, langue morte pour un public jeune, du coup. Qui se sert en fait? Ça veut dire que la lumière soit, ouais, c'est ça. Du breton, je pense que ça aurait été plus payant. Du breton, ça aurait été plus payant. Du breton, ça ne l'a pas dit, on aurait pu le rajouter dans ta longue liste de ce que tu es. Youtubeur et breton. Je ne sais pas, il faut que je mette youtubeur avant breton, breton avant youtubeur, je ne sais pas trop dans quel ordre le mettre. Bah, Poco a un nom bien breton d'ailleurs. Exactement, exactement. Je ne sais pas le prononcer. Et bah, c'est pas grave, appelle le Poco. Allez. On part là-dessus. Alors du coup, tu nous en es fait un petit peu spoil, mais c'est vrai, et ça tombe bien parce que les gens veulent partir à Los Angeles. Mais que nenni, peut-être que l'année prochaine, il n'y aura même pas besoin de vous déplacer pour aller encourager vos équipes, parce que tout simplement, il va y avoir des arènes à domicile dans certaines villes. Les Philadelphia Fusion sont les premiers à avoir dévoilé leur stade, une salle de 3500 places de prévu pour l'année 2021, avec 50 millions de dépenses pour l'endroit, pour la création de la chose. La question, encore une fois, c'est est-ce que ça accueillera que du Overwatch, ou est-ce que ça accueillera d'autres jeux, parce que c'est quand même beaucoup d'investissement. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est pas mal d'investissement. On voit la vidéo juste derrière moi qui est assez cool, mon cher Broky. Je pense que tu l'as pas vue, tu peux la regarder. Et pour Paris, on sait rien encore, messieurs. On sait pas du tout comment ça va se passer. Il y a monsieur Joe McCourt, du coup, le propriétaire, qui a annoncé avoir une shortlist de lieux. La question, c'est est-ce qu'il y aura un lieu à Paris? Est-ce qu'on va plutôt se diriger vers un lieu à Londres? Est-ce qu'on va avoir une aréna dans chaque ville, une aréna par zone? Comment ça va se passer? On n'a pour l'instant pas beaucoup d'idées. Hein. Bah, on ne sait pas exactement. Alors que là, on découvre les images de l'arène de Philly. Elle va être énorme. Et alors, ça a été plus ou moins dit hein, par Philly, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera évidemment réservé à l'équipe lorsqu'il y aura match, lorsqu'il y aura la saison en cours. Après, ce sera ouvert à, pourquoi pas, des concerts ou d'autres événements sportifs ou choses comme ça, quand elle sera libre et qu'on sera sûr qu'on n'en aura pas besoin. Il faut aussi rentabiliser la salle. On voit les budgets sont énormes. Après, il y aura tout dedans. Il y aura une salle d'entraînement, il y aura des vestiaires, il y aura, enfin vraiment, ça va être un lieu de shopping. Enfin, il y aura vraiment tout. Ça, c'est aussi la gaming house. Du coup, ça va devenir la gaming house. Ça va devenir tout. C'est vraiment la salle multifonction. Ça va être énorme et on espère que chaque ville présente dans la ligue, évidemment, aura sa propre salle de ce genre-là. Et du coup, Broky, tu peux nous le dire maintenant. Les locaux de Vitality, en fait, c'est en partie l'arène de Paris, c'est ça? Les locaux de Vitality. Oui, tu me disais. Non, vous, vous attendez à quelque chose en Paris, peut-être une salle dans Paris, vous pensez qu'il y a... Le Parc des Princes, hein. Le Parc des Princes, non, là, ça me paraît pas mal. Non, mais ça, à la Défense, il y a des salles. Alors, on a eu celle qui a accueilli la Coupe du Monde, mais il y a une énorme arena à la Défense. Alors, elle est peut-être un peu grande pour le coup, mais il y a plein de salles potentielles mais dans Paris qui ils font construire Philadelphie. Je crois qu'ils font construire. Ou alors ils rénovent un truc existant, mais. Je pense qu'ils font construire. Je crois que c'est un truc dans le même site, quoi. C'est incroyable. Après, construire un truc dans Paris, c'est pas aussi facile aujourd'hui, peut-être qu'à finir. C'est impossible. C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir, surtout, c'est les prochains teasers, parce que là, ils ont tué le game. Franchement, t'as rien envie de faire. Fusion et tout. Ils ont déjà fait ce qui peut se faire de mieux. Ça va être très dur pour les équipes d'après d'annoncer leur arène aussi à eux, quoi. Une fois sur deux, là, c'est de la 3D. Ils te mettent une pancarte. Ils remplacent par foire à la saucisse la semaine d'après. Réglé, ça va être le Fire Festival de l'Orange League. On sait jamais, faut faire attention à ça. Alors toi, du coup, tu vas déménager à Shanghai s'il faut un arrêt de là-bas. Bah oui, moi de toute façon, je suis parti pour, là, les papiers sont en cours. La chaîne Twitch de là-bas, du coup. C'est vraiment l'équipe que tu supportes le plus ou t'as d'autres équipes que tu supportes? Je supporte plusieurs équipes, évidemment Paris maintenant, cette saison 2, mais voilà, évidemment, les underdogs, on aime toujours, et donc Shanghai Dragons, la saison 1, c'était vraiment incroyable. Et là, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir qu'en saison 2, voilà. Donc évidemment, on rappelle pour les gens, c'était vraiment... Attends, maintenant. On rappelle juste chez toi, c'était vraiment incroyable parce qu'ils étaient en 0,40, quand même, faut le rappeler évidemment. C'est ça, 42 même ça, c'est terminé en 42 du coup avec le début de saison 2. D'ailleurs, dans l'arène, d'ailleurs les gens criaient, c'était horrible pendant le match, le 42e, genre faisait 42 et c'était assez dur. Oh là là, attends, t'étais dans la salle à ce moment-là du coup. Ouais, bah j'espérais voir la première victoire des Shanghai Dragons, mais en fait j'ai vu la 42e et dernière je crois défaite des Shanghai Dragons et ils ont gagné le match juste après. Mais non, et je suis super content de voir que cette équipe enfin arrive à trouver les solutions, que Geguri est toujours dans l'équipe. Et a gagné la dernière game. Et a gagné en plus, ils jouent bien. Et donc, non, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont, surtout, ils ont un merchandising qui est vraiment magnifique. Donc, ils ont un très très joli logo, évidemment, mais tu ne l'as pas acheté pour rien. Chez toi, tu avais quelque chose, tu voulais rebondir sur quelque chose? Non, pas du tout. Voilà, évidemment. J'aime bien te prendre comme ça au dépourvu. Au moins, tu as une blague gagnante qui passe, paf. Il disait les underdogs, du coup, maintenant, c'est les Valiant qui sont derniers. Est-ce que tu as rallié le camp à Valiant? Je suivais beaucoup Valiant l'année dernière, parce qu'évidemment, il y avait Soon. Et donc, du coup, cette année, il n'est plus là, et du coup, je les suis moins. Et du coup, c'est parce que je les suis plus aussi. Quand je les suivais, ils gagnaient. Ça se tient. Et non, ouais, les pauvres, là, c'est un peu dur. Ça n'a rien à voir avec le coaching staff. Cette saison est un peu dure pour eux. Bah là, 0-7, c'est compliqué. C'était le pire score qu'ils pouvaient réaliser. Mais nous, on va s'intéresser évidemment aux playoffs. Alors, avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur toi, Julien. Derrière ton passé, donc là, tu as un petit peu ce côté, finalement, où tu as joué au jeu, ensuite, tu as fait de la vidéo, ensuite, tu as un peu suivi l'Overwatch League. C'est quoi ton perso préféré aujourd'hui? Là, si tu dois lancer une game, tu joues quoi? Alors, mon perso préféré, c'est pas forcément celui que je joue le plus. Moi, vraiment, si je devais parler juste de personnage préféré en termes de design, de gameplay, c'est Tracer que je trouve, même si c'était une des premières, je trouve que vraiment le gameplay est hyper dynamique et vraiment vieillit très bien, je trouve en fait quoi. Et même si bon voilà, dans la méta actuelle, c'est plus difficile de jouer Tracer et j'espère justement voir revenir un peu plus de Tracer, surtout à haut niveau quoi. Et sinon après moi, j'aime beaucoup D.Va aussi, je trouve que c'est tellement, ça permet tellement de choses, c'est hyper flexible en fait comme personnage. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux défendre, attaquer. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des mécaniques qui sont aussi voilà, qui nécessite beaucoup de réflexion aussi, donc j'aime bien. Ah, évidemment, le perso de Poco, évidemment, et puis un perso qui est omniprésent dans la méta depuis le début de l'Overwatch League, finalement. Ta cote à l'heure actuelle, si tu joues en classé, tu n'es pas obligé de la dévoiler. 9600 à peu près. Ouais, c'est moi. C'est... Évidemment, on rappelle que le maximum est environ de 5000. Hein, au max, en gros. 9600. Disons que je suis wannabe diamant. Voilà, on en est là. Wannabe diamant. J'ai envie d'être diamant, je suis pas très loin. Donc t'es aux alentours de 3000, quoi, un petit peu en dessous de 3000. Je suis en dessous de 3000, ouais, j'espère. Voilà. Ok. Si tu avais la possibilité d'être joueur pro e-sport, professionnel dans une autre vie, est-ce que tu signerais chez quelle équipe, sur quel jeu? Ou est-ce que même, imagine que tu avais la possibilité, tu aurais préféré faire autre chose? Ouais, si j'ai la possibilité, je pense que je ferais autre chose parce que pour le coup, pour avoir visité les gaming house et tout et avoir un peu un aperçu de leur quotidien, de comment ça se passe, d'ailleurs, c'était hyper intéressant. C'est à la fois fascinant parce qu'il y a le petit enfant en toi qui se dit mais c'est le rêve, et d'un autre côté, quand tu vois concrètement la réalité en face, c'est pas du tout le rêve en fait. Enfin, c'est vraiment un métier très dur, ils font des horaires qui sont assez durs et puis au bout d'un moment, Enfin, évidemment, ça devient, je pense, plus une passion et vraiment un métier. Et donc, moi, j'aime trop le jeu vidéo pour en faire un métier, je pense, et j'ai envie que ça reste plutôt un plaisir entre amis. C'est un peu ça qui t'a forcé aussi, enfin, qui t'a poussé à arrêter un petit peu ce côté, bah, finalement, t'aimes bien les jeux vidéo, Broky, et t'en avais assez d'être juste joueur pro et puis finalement de redevenir un peu joueur. Ouais, c'est ça, c'est quand j'ai commencé à jouer, voilà, j'ai kiffé à mort le jeu vidéo, puis au fur et à mesure, j'ai perdu ce plaisir, et je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, j'ai envie de m'éclater sur d'autres jeux, sauf que j'avais tout le temps des entraînements sur Call of Duty. Du coup, à un moment, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie d'aller jouer à d'autres jeux et voir ailleurs. Du coup, j'ai arrêté et là, maintenant, je joue, je m'éclate. Et je préfère. Je regrette pas ce que j'ai fait. J'ai kiffé mes moments en compétition, mes moments d'entraînement, etc. Mais je suis très bien là aujourd'hui à m'éclater sur n'importe quel jeu et pas me prendre la tête à chaque fois. C'est génial. Ouais, bah, c'est sûr, hein, c'est un vrai métier. Alors justement, toi, tu nous en parlais. Tu as dit que tu as vu un petit peu l'arena, mais tu as vu également la maison de Paris Eternals. Moi, j'ai vu la maison de Philly, chacun son. Hein, okay. Je suis un peu jaloux, mais à l'époque, il n'y avait pas de maison de Paris Eternals, donc je pouvais pas la visiter. Comment t'as ressenti l'ambiance là-bas? Parce que toi t'étais au tout début, il y avait peut-être eu la première victoire déjà. Comment est-ce que t'as ressenti un petit peu? Moi je suis allé avant le premier match. Avant donc c'était très studieux, c'était vraiment tout le monde travaillait vraiment. Moi j'ai même l'occasion d'assister à un peu un scrim contre LA Valiant, c'était super cool de voir les entendre gueuler surtout. J'étais hyper étonné de les voir à quel point ça gueule, ça a fait les shot calls, la communication, etc. Et non, et c'est super fascinant de voir comment ils ont mis ça en place avec la salle pour les coachs, etc. La salle pour briefer, pour débriefer, regarder les VOD, etc. et tout. La manière dont sont disposées les tables, avec les tanks ensemble, etc. Enfin, tout ça, ça m'a vraiment fasciné de voir leur quotidien et de voir à quel point, en tout cas, ils étaient très rigoureux, moi, quand je suis passé, c'était vraiment un métier, quoi. Vraiment, on n'est plus dans le jeu vidéo, quoi. Oui, puis surtout que c'est une course, on en avait déjà parlé l'année dernière, mais c'est un marathon, et honnêtement, le problème, c'est pas vraiment à quelle vitesse, toi, tu progresses, c'est est-ce que les autres progressent plus vite que toi. Et ça, en plus, avec la nouvelle méta, et la méta qui était GOAT, qui n'était pas une méta qui était jouée par tout le monde, bah, fallait prendre le train en route, et il faut pas perdre de vitesse, parce que sinon, bah, Shanghai Dragons, l'année dernière, hein, tout simplement, tu peux avoir une année catastrophique. Merci en tout cas beaucoup, évidemment, très bien français. Hein. Yes. Moi je suis youtubeur avant tout et le e-sport, ça continue dans l'e-sport zone tout de suite.